J'ai quelques vers à vous réciter. Ça colle pas mal à cette histoire de fou. Je ne demande qu'une seule chose. Je ne cherche qu'à habiter sa maison tous les jours de ma vie. Savourer sa douceur. Rechercher son palais. Je ne prends qu'une seule route. Ne traîne pas. Je ne laisse jamais l'entremonde ouvert très longtemps. Ce coup-ci, c'est un peu différent. J'avoue que ça m'amuse beaucoup. Te battre à mort pour une petite vie insignifiante, c'est aussi respectable que pathétique. C'est à cause de cet entremonde que les rouges sont arrivés dans ton monde. Il s'est ouvert, j'étais là. J'ai guidé les miens chez toi. Beaucoup ont voulu y rester, mais la majorité d'entre eux se terrent toujours ici. Tu connais le principe de celui-ci? Le temps ne s'y écoule pas vraiment de façon classique. L'espace non plus, d'ailleurs. On passe dans un couloir, puis un autre, puis un autre. Mais ce sont un peu tous les mêmes, non? Si ça se trouve... Tu erres dans la même pièce depuis des heures et des heures. C'est ça. Demande à tes démons de la chercher. Répartissez-vous les tâches, oui. Cherche. Oh, ne t'en fais pas. Tu vas la retrouver rapidement. Ton problème ne sera pas ça, non. Ton souci, c'est de pouvoir... repartir. Mais tu oublies un détail. C'est moi qui décide ici. Tu voudrais que je te fasse passer? Et tu y es. Tu aimerais revoir Marie? Regarde. Regarde bien. Mes couloirs sont parfois surprenants. Ta jolie Marie n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Pour elle, c'est un peu comme si elle était en pleine nuit. La sensation d'un sommeil qui dure, qui s'étale. Quel scénario idéal, n'est-ce pas? C'est ça. Fais mine de ne pas être touché. Fais semblant de maîtriser la situation. Si tu m'entends, Challenger, affronte-le. Offre-lui son duel. Je sais que tu es joueur. Mets une dernière fois ta petite de côté et bats-toi. Reprends ces couloirs et attends. Je peux le faire arriver, tu sais. Regarde. Regarde mieux. Ah non, ne te fie pas aux apparences. Tu n'affrontes pas seulement ton vieil ami le capitaine, non. Tu affrontes l'autre. Il a toujours été là. Mais sous une autre forme. Depuis longtemps, celui qui veut ta peau, c'est lui. Réglez ça entre vous. N'oubliez pas, cet endroit ne reste pas ouvert éternellement. Je pourrais malencontreusement tout refermer, non?
Tu l'as bien cherché, non? Tu as signé. Tu étais d'accord avec lui. Mais il n'aime pas qu'on brise ses contrats. Alors, le revoilà, à visage découvert. Allons, allons. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Tu veux peut-être une nouvelle raison de te battre? Ah, je sais. On va corser les choses. Laisse-moi appeler quelques compagnons, juste pour voir comment tes filles se débrouillent. Habitué à mieux. Ah, voilà qui est mieux. Bien mieux. Cours, mon petit Mathieu. Cours dans ce dédale, comme un rat après un vulgaire bout de fromage. Dépêche-toi, sinon j'arrête ce petit jeu. Tu nous dois le respect, Challenger. Nous avons fait de toi ce que tu es. Tu es un pantin. S'amuser avec toi, c'était drôle pendant un moment. Là, on ne joue plus. Pour ma part, ça m'est égal de savoir si ta petite Marie va vivre ou pas. Toi, par contre... ta colère est toujours là? La haine aussi? Beaucoup de peur. Tout se sent. Et un idiot prêt à se sacrifier. Tu te bats bien, tu résistes. Tu fatigues aussi. Tu l'aimes vraiment? Tu sors? Tu restes? Dans tous les cas, tu tombes. L'entremonde n'est pas fait pour les faibles. Vous le sentez tous, n'est-ce pas? Vous sentez les portes se refermer? Comment vas-tu faire, Challenger? Tu pensais sincèrement pouvoir sortir d'ici. Et vois le côté positif. Ici, on ne vieillit pas. On ne mange pas. Ici, on ne vit pas. Intéressant. J'en apprends tous les jours. Je ne savais pas qu'on pouvait autant aimer quelqu'un. Quel gâche. J'en ai assez vu. Laisse-la partir. C'est terminé.